Comment faire quand vous êtes débordé par vos émotions et que vous avez l'impression d'être dans une boucle sans fin, dans laquelle vous savez ni comment les apaiser, ni comment les libérer? Je pense que cette vidéo, elle est faite pour vous. Mais avant de savoir faire avec quelque chose, il y a une chose qui est importante dans toute chose, c'est de comprendre la mécanique et le mode de fonctionnement. Ça veut dire qu'avant de rentrer dans le processus de libération de vos émotions, vous avez besoin déjà de comprendre pourquoi vos émotions sont là? Qu'est-ce qu'elles vous indiquent? Est-ce que finalement vos émotions ne sont que des points, des sensations négatives à se débarrasser? Est-ce que finalement il y a vraiment quelque chose à en tirer? Où est le juste milieu dans tout ça? C'est ce que j'aimerais vous développer dans une série de vidéos. Mais déjà dans celle-ci, j'aimerais vous exprimer que vos émotions sont en réalité vos désirs non nourris. C'est des désirs non nourris, très, on va dire, placés dans la ligne du temps par rapport à votre passé en réalité. Je vais vous expliquer tout ça et je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on perd le contrôle, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on a l'impression qu'on est dans comment dire, une éternelle expérience émotionnelle. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une contraction, c'est une sensation que vous avez. Mais une émotion en soi ne dit rien de vous. Il y a une dissociation entre le fait d'avoir une sensation dans laquelle il y a une contraction qui est plus ou moins douloureuse physiquement, et c'est le cas de l'émotion en réalité. Ce qui fait que l'émotion est douloureuse, c'est toute l'histoire qu'on se raconte autour. Donc on comprend bien que l'émotion en soi est toujours associé à une pensée. Et généralement, ce n'est pas une pensée agréable. C'est la raison pour laquelle on se sent mal. D'accord? Donc, la question c'est, qu'est-ce qu'une émotion? Donc, une émotion, c'est une sensation qui a été gardée en mémoire, suivie d'un désir non nourri, gardé en mémoire. Vos émotions, ce sont des mémoires passées, non résolues, non écoutées, non prises en considération et qui sont restées vivantes à l'intérieur de vous et qui se réactivent quand il y a un stimuli, un déclencheur dans lequel ça vous réassocie à cette sensation, mais aussi à toute l'histoire que vous vous êtes racontée et donc à votre désir non nourri dans votre passé. Vu de cette façon-là, vous comprenez bien que votre émotion, ici et maintenant, si elle s'enclenche dans une situation présente, n'est pas d'actualité, dans le sens où votre émotion, de toutes les façons, elle est reliée à une histoire passée, à une situation passée, non résolue. D'accord? Donc, ici, dans une situation présente, cette émotion va ressurgir parce qu'elle va être réactivée, elle va être présente en vous, mais elle n'a rien à voir avec la situation que vous vivez ici et maintenant. Votre regard n'est pas objectif, votre sensation est présente, mais l'histoire qui se raconte, elle appartient au passé. Elle n'appartient pas à la situation présente. D'autant plus que ici et maintenant, présentement, vous êtes un adulte aujourd'hui et vous êtes en capacité de décider si oui, la situation vous convient, si non, la situation vous convient. Vous avez la possibilité de refuser, de vous positionner d'une manière ou d'une autre. Donc, votre fragilité passée n'est pas d'actualité. Donc, votre sensation émotionnelle passée n'est pas d'actualité ici et maintenant. Donc, quelle que soit l'émotion que vous ressentez, peu importe n'importe lequel que ce soit une peur, une angoisse, de la tristesse, peu importe, ça n'est pas d'actualité, ce n'est pas réel, ça n'est relié à aucune réalité présente. C'est vraiment une sensation, une émotion passée. Donc, c'est déjà important de le traiter de cette manière-là parce que quand l'émotion remonte, c'est important de se dire, ah, c'est une mémoire passée. Est-ce qu'aujourd'hui, la seule et unique question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, elle est d'actualité ou pas? Est-ce que je la réactualise ou pas? Ou est-ce que réactualiser, ça veut dire que je vais tenir compte et je vais y répondre à cette émotion? Je vais prendre des décisions en fonction de la peur et de l'angoisse qui est là. Je vais
agir en fonction de cette émotion? Ou est-ce que je vais décider aujourd'hui de se dire, non, ce n'est pas d'actualité du tout, c'était une émotion passée, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'elle soit réitérée, je n'ai pas envie d'être sur ce champ d'information. Et donc, délibérément, je prends la décision que d'être libre de cette émotion ici et maintenant et à partir d'ici et maintenant. Donc ça me demande véritablement de me dissocier de l'émotion qui est là et de laisser passer l'émotion sans la toucher, sans y répondre, sans faire en fonction. Il y a rien à, c'est juste laisser passer. Je laisse un nuage passer. C'est comme ça. Et en fait, quand je n'y touche pas à cette émotion et à l'histoire qui se raconte, et que eh ben, j'en suis libre. C'est aussi simple que ça. Je suis libre de cette émotion et je suis libre de toute l'histoire qui se raconte. Et je vais réitérer cette expérience à chaque fois. Mais ça va vous demander d'être dans la vigilance, de dire, OK, j'ai conscience qu'il y a une émotion là, par exemple, de rejet ou d'abandon qui se réveille en ce moment, qui est stimulée en ce moment. Donc, je vais être vigilante à bien me repositionner pour me dissocier de cette émotion et bien comprendre que ça n'est qu'une mémoire passée et que vous, vraiment, vous avez le désir de ne pas la réactualiser et de vous en rendre libre. Je suis libre d'un objet, je suis libre d'un objet si je ne la saisis pas. Tant que je la saisis entre les mains, elle fait partie de mon histoire. C'est-à-dire, saisir, ça veut dire que je vais en tenir compte. Je vais en faire toute une histoire. Cette blessure d'abandon, elle va être d'actualité. Je vais la faire rentrer dans ma réalité présente aujourd'hui. Et je vais discuter avec mon chéri ou avec les gens autour de moi. Oui, je me sens seule, blablabla. Parce que j'ai saisi l'émotion et je l'ai fait, comment dire, j'ai fait en sorte qu'elle soit d'actualité. Mais si j'accueille l'émotion en étant dissociée d'elle, je la laisse passer, j'ai conscience que cette émotion, elle n'est pas d'actualité, c'est une mémoire passée. Je prends un temps de méditation, je respire, je la laisse passer, j'attends que ça passe. Je l'écoute, je suis avec, j'accueille, mais à aucun moment j'y touche. Parce que j'ai conscience qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Et bien là, j'en suis libre. Je me répète, mais c'est important en fait pour que vous compreniez vraiment la mécanique. D'accord? Bon, on va rentrer un peu plus dans les détails pour que vous compreniez. Vous êtes dans une situation passée. À ce moment-là, vous allez vivre, vous êtes enfant dans une fragilité. Déjà, vous êtes enfant. Donc, vous êtes dans un positionnement de fragilité. D'accord? Ça veut dire que vous n'avez pas tous les moyens en vous pour dire non, pour vous positionner fermement dans ce qui ne vous convient pas. D'accord? Donc, vous êtes dans une situation un petit peu, voilà, de fragilité. Vous acceptez les choses malgré vous. Et dans cette situation-là, vous allez vivre une situation où vos parents, un tant soit peu que vous avez des parents autoritaires, vous exprimez vos besoins, vous exprimez ce dont vous avez besoin à ce moment-là, et là, on vous dit non, tais-toi, c'est pas la peine. Donc vous êtes face à une autorité ou à un jugement par rapport à vos besoins ou à vos désirs. Je veux faire telles études plutôt que telles études. Et à ce moment-là, vous allez engrammer en vous, dans votre mémoire cellulaire, que ce que vous dites n'est pas important, que vous n'êtes pas important et vous allez vivre le rejet immédiatement. Cette peur du rejet va être restée vivante à l'intérieur de vous parce qu'à ce moment-là, votre besoin n'a pas été écouté et entendu par vos parents. Et donc, chaque fois que vous allez vivre ici et maintenant, dans le présent, une situation où vous sentez que dès lors que vous exprimez quelque chose, une personne vous a exprimé qu'elle voit les choses différemment, vous allez tout de suite voir la situation à travers le filtre qu'on vous rejette, alors que la personne en face est juste en train d'exprimer son avis, par exemple. Dès lors que vos besoins, vous exprimez votre ressenti et que la personne en face de vous n'est pas disponible à l'écouter, immédiatement, vous allez ressentir que vous êtes rejeté. Alors qu'en face de vous, vous avez juste quelqu'un qui n'est pas disponible. Donc en fait, vous allez voir toute la situation présente à travers ce filtre émotionnel, à travers cette peur, parce que vous n'avez plus envie de vivre cette sensation de rejet. Mais vu que vos besoins et votre ressenti n'a pas été tenu en compte, c'est normal que l'émotion reste présente à l'intérieur de vous.
Donc en fait, voilà, vous n'êtes plus objectif. Vous voyez votre situation présente à travers le filtre de votre expérience passée qui est restée gelée de par un désir non nourri, un besoin non nourri. D'accord? Donc la solution, elle est très simple. La solution, c'est j'ai une émotion, j'écoute mon besoin. Et à partir de là, tout va bien. Mais ça, je vais parler après. D'accord? Donc, je vous donne un autre exemple, par exemple. Vous êtes dans une situation dans votre enfance et puis il y a une rupture avec votre père à un moment donné, soit à l'adolescence, soit aussi peut-être à votre enfance ou pas. Ou une rupture de par, ça peut être un divorce et votre père a refait sa vie, ou votre père est très occupé au travail, ou ça peut être aussi que vous perdez votre père, tout simplement. Et à ce moment-là, vous allez ressentir émotionnellement une décharge émotionnelle de l'abandon, du fait de vous sentir seule et aussi pas importante aux yeux de l'autre. Et donc, à ce moment-là, cette contraction-là, elle va se figer en vous parce que la situation va vous valider, c'est comme ça que vous allez la vivre à ce moment-là, comme un réel abandon. Qu'est-ce qui se passe? Cette mémoire, elle n'a pas été résolue à ce moment-là, elle a été engrammée et mémorisée à ce moment-là de cette façon-là. Votre peur de l'abandon, elle va rester à l'intérieur de vous. Et ici et maintenant, vous allez vivre une situation et vous allez vivre tout simplement le fait que, je ne sais pas, vous allez découvrir que de l'indisponibilité de la part de votre chéri parce qu'il est très occupé par son travail, parce que c'est quelqu'un qui est passionné par son travail. Cette situation-là, vous n'allez pas la voir ainsi en fait. Vous allez le voir à travers votre filtre émotionnel de l'abandon, de la peur de l'abandon. Et vous allez voir l'abandon partout, la peur d'être seule partout, la peur de ne pas être importante dans les yeux de l'autre partout. Alors que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Vous allez être en couple et vous allez voir que votre conjoint, par exemple, est très épanoui. C'est quelqu'un qui est très amical et qui a des relations d'amitié avec les gens. Ça va vous réactiver. Vous allez dire, ah oui, mais je vais être abandonnée, je ne suis pas importante. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui s'épanouit, qui est convivial et qui se sent bien et qui exprime sa joie d'être avec les gens. Mais vous, vous allez l'interpréter, le voir à travers cette expérience émotionnelle. Et donc, vous allez le voir, ça va réactiver l'émotion et la peur d'être abandonné chez vous, la tristesse de l'être. Et vu que c'est votre filtre de la situation présente, c'est cette expérience passée et l'émotionnel passé, vous allez donc considérer, votre cerveau va considérer que la réalité que vous allez vivre ici dans le présent est exactement l'émotion que vous allez vivre, que vous aviez vécue dans le passé. Alors que ce n'est pas le cas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais vous n'aurez pas les moyens à ce moment-là de voir les choses autrement. Parce que, effectivement, quand vous voyez les choses de par l'émotionnel, ben, en fait, je crois ça, oui, ben, en fait, l'émotionnel, vous ne voyez que l'histoire qui a été racontée. Vous avez la contraction reliée à l'histoire. Donc, quand vous regardez la situation, vous ne la voyez pas. La situation, vous ne la voyez pas. Vous voyez l'histoire que vous vous êtes racontée et donc vous allez valider que c'est vrai. Vous allez valider que vous êtes abandonnée, que vous n'êtes pas importante, que la personne va vous trahir, que la personne va vous quitter. Mais ce n'est pas le cas. La première chose que vous voyez, c'est ça. Et c'est important pour moi de vous le dire pour que vous reprenez le pouvoir, en fait, dans ce tsunami émotionnel et bien comprendre que quand vous êtes pris, vous êtes au cœur du tsunami, la première chose que vous voyez, c'est l'histoire que vous vous êtes racontée associée à la contraction physique. C'est désagréable, mais c'est juste avoir la conscience que c'est là que vous êtes, d'accord? Mais vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. Donc, quand l'émotion est là, prenez conscience qu'on n'est pas objectif. On n'est pas objectif. Ce qu'on voit n'est pas la réalité. Ce qu'on voit n'est pas la vérité. Ce qu'on voit, c'est l'expérience, l'histoire émotionnelle associée à la contraction. D'accord? Donc, il n'y a pas de décision à prendre à ce moment-là, encore moins des décisions définitives, encore moins d'avis définitifs quand vous êtes dans l'émotion, parce que vous n'êtes pas objectif. Donc, l'une des choses, et vous n'êtes pas objectif parce que vous êtes associé à cette histoire. Vous êtes associé à vos émotions, complètement. Donc,
Voilà ce que la première chose que je vous propose dans cette vidéo, c'est que vous compreniez bien que donc quand vos émotions se réactivent, un, vous n'êtes pas objectif parce que vous voyez à travers le filtre de l'histoire passée, forcément. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que de vous dire que pourquoi l'émotion passée, pourquoi l'émotion se réactive-t-elle? Pourquoi la peur d'être quittée, la peur d'être seule, la peur d'être rejetée et mise à l'écart est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité parce que le besoin non nourri relié à l'émotion, le désir non nourri relié à l'émotion n'est pas pris en compte. Donc, vous n'avez pas d'autre choix à ce moment-là que d'écouter votre désir, d'écouter votre besoin. Donc, quand l'émotion est présente, elle vous invite inéluctablement, elle vous invite à écouter votre désir et votre besoin. Donc, pour que l'émotion se dissipe et qu'elle se libère, écoutez, rentrez en contact avec votre émotion. Vraiment, rentrez en contact avec elle. Écoutez et entendez ce qu'elle vous dit. Et dès lors que vous écoutez, vous entendez ce que vos émotions vous disent, à ce moment-là, rendez compte du besoin présentement, du besoin à mettre en place. Mettez-le en place concrètement. Si c'est un besoin de considération de vos besoins et de votre ressenti, exprimez-le vraiment. Si c'est un besoin de se sentir importante pour l'autre, c'est important que vous vous sentez déjà importante pour vous. C'est la priorité. C'est la priorité. Donc, ressentez que vous êtes là pour vous, ressentez que vous vous soutenez dans ce que vous voulez vivre, comprenez-vous dans toute chose. C'est ça que vous avez besoin de faire. Donc, écoutez votre besoin. Et puis, il y a une chose, donc comprenez bien que quand l'émotion est là, l'émotion est votre guide. L'émotion vous apporte la solution du moment. C'est extraordinaire, non? Vous ne pensez pas? Elle vous apporte la solution du moment. Et quand on rentre, donc posez-vous la question, quel est mon désir? Quel est le désir exprimé que j'ai besoin de nourrir qui est relié à cette émotion? Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est aussi importante, c'est rentrer dans le décodage émotionnel. Et quand on rentre dans le décodage émotionnel, chaque émotion s'exprime parce qu'elle est vraiment reliée, elle est une invitation à un besoin concret. Quand vous avez de la tristesse, pourquoi c'est la tristesse qui est là pour vous? Pourquoi c'est la tristesse et pourquoi pas la peur et l'angoisse? Quand vous ressentez de la tristesse, c'est que vous avez besoin d'être auprès de vous. Vous avez besoin de vous accompagner. Vous avez besoin d'être absolument là pour vous. Votre présence est indispensable. Une présence compatissante et empathique envers vous est indispensable. Voilà ce que la tristesse veut dire. Donc, dès lors que vous avez une tristesse, sachez que c'est une invitation à ce besoin d'être là pour vous. Si par exemple vous avez une peur ou une angoisse, la peur et l'angoisse c'est une émotion qui est exactement là pour vous indiquer que vous avez besoin de vous rassurer. Vraiment, parlez-vous, rassurez-vous, relativisez les choses, c'est ça. Et puis il y a la colère. La colère elle est là pour vous dire que vous êtes en désaccord, vous n'êtes pas d'accord avec la situation et la colère vous invite à l'exprimer. C'est une invitation à exprimer votre désaccord, impérativement. Voilà. Donc j'espère que ces quelques mots vous permettront déjà dans cette vidéo de réaliser que vos émotions, en réalité, vous invitent à vous reconnecter à quelque chose qui est important pour vous, à vos désirs non nourris, à vos besoins non nourris. Vos émotions vous indiquent le puzzle manquant est donc la solution que vous avez besoin de mettre en place pour vous ici et maintenant. Donc, quelque part, vos émotions sont de véritables guides. Il ne s'agit pas de s'associer avec, mais de se dissocier pour avoir une dissociation, pour avoir une lecture. Ok, j'apprends à lire. Au lieu de s'associer à l'histoire, j'apprends à lire qu'est-ce qu'elle me dit, de façon à ce que je le mette en place et que j'en en ai plus besoin pour que je puisse vivre la situation présentement avec... comment dire, avec objectivité, mais en étant au cœur et centré à ce qui est essentiel pour moi, je parle pour moi, je ne sais plus si je dis moi ou vous.
D'accord? Donc voilà, j'espère déjà que cette vidéo vous a amené une compréhension de la mécanique de vos émotions. Je pense que dans les jours qui vont suivre, je vais vous amener, je vais faire une vidéo sur comment accueillir vos émotions, comment apaiser et libérer vos émotions. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire. Si la vidéo vous a plu, partagez-la vraiment parce que je pense qu'elle va être utile pour votre entourage aussi. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit mot et puis un petit like si vous passez par là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Je souhaite profondément que cette vidéo puisse vous aider à avoir une autre vision de vos émotions et d'apprendre à faire équipe avec vos émotions plutôt que d'être en guerre avec eux. Donc voilà, je vous remercie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.